Alex Hugo a fait son grand retour sur France 3. Mardi 5 décembre, la chaîne de télévision a diffusé un nouvel épisode inédit intitulé « La part du diable ». Celui-ci marque le premier épisode sans l'acteur Lionel Astier, qui incarnait Angelo Batala depuis la saison 1. Pour autant, Samuel Le Bihan a encore une fois séduit les téléspectateurs dans le rôle d'Alex Hugo. Dans cet épisode, le célèbre policier se balade en montagne et observe le vol d'un homme en Wii. Malheureusement, le sportif s'écrase soudainement et meurt sur le coup. En tant que premier intervenant sur les lieux, Alex Hugo se rend vite compte qu'un acte de sabotage est responsable de sa mort. Le policier va alors enquêter et découvrir qu'avant sa mort, la victime avait reçu de nombreuses menaces via des lettres anonymes. Caroline de Mariée au premier regard est apparue brièvement dans la série. Si Lionel Astier n'était pas présent dans ce nouvel épisode, les téléspectateurs ont pu reconnaître le visage d'une jeune femme bien connue. En effet, Caroline, qui avait participé à la saison 6 de Mariée au premier regard, a fait une courte apparition à l'écran. Si est-il au cours de l'enquête d'Alex Hugo que son visage a été montré. Alors que le policier fouille les réseaux sociaux de la victime, il découvre de nombreuses photos aux côtés de belles femmes. Parmi elles, Caroline, qui apparaît tout sourire. Concernant cette première expérience dans une série, Caroline ne cesse de pas vraiment exprimer à ce sujet. Celle qui attend actuellement son deuxième enfant a cependant repartagé ce moment dans sa story Instagram pour prévenir ses fans. Si le tournage a sûrement été de courte durée pour l'ancienne femme d'Axel, cette expérience pourrait peut-être lui donner envie de se lancer dans une nouvelle carrière sur le petit écran. I just need